bonjour à tous. Alors, je suis là, je commence un nouveau vlog avec vous. Donc, vous avez la plupart d'entre vous ont choisi le vlog à la semaine. Alors, pour moi, on est vendredi. Alors, je vais essayer de sauver ma plante. Mais même si j'ai des doutes, parce que je vous montre dans l'état où elle est. Alors. J'ai des doutes, mais on va essayer, hein, qui risque rien n'a rien. Donc, je vais vous abaisser. Déjà. Alors, donc, j'ai mon. Commencer par ouvrir ceci. Alors, je ne sais pas la quantité que je vais devoir mettre, ça je vais l'ouvrir un peu. Parce que franchement, je n'y connais rien avec ce genre de terreau, puisque. Moi, celui que j'utilisais, c'était celui qui était déjà prêt. Mais là, il n'y en avait pas. Retirer le bloc de coco de son emballage et mettre-le dans un seau propre d'au moins 10 litres au plus. Ajouter 3,5 litres d'eau chaude tout tiède. Laisser l'ensemble reposer pendant environ 15 minutes. Mélanger légèrement avec une petite pelle que j'ai pas ou à la main que j'ai. Et tout est prêt pour l'emploi. Mais écoutez, moi je ne sais pas. Donc on va faire au pire. Oh, mais c'est dur ce qui. Comment voulez-vous d'urgence? Mal au poignet. C'est impossible. Si je mets tout, je vais faire du gaspillage. Thank you.
Deux œufs, je fais comme là, je crois. C'est dur comme tout. Est-ce que j'aurais pas un couteau qui coupe mieux que ça? Couper hein, parce que à tout ça c'est dur, mais sur moi-même je suis sûr que ça va couper tout de suite. J'attrape chaud moi. Je donne déjà de ce truc. Tu peux venir, tu n'es pas assez fort pour couper le. Viens voir. Nora n'a plus sa force que moi, sur peut-être que tu veux aller avec nous. Non, tu seras là-bas comme ça. Ah bon? C'est du plus bas. Bah. Deuxième que je prends quoi. Ça c'est du couteau de compétition aussi. Ah, un coup de massacre sur la fin. C'est ce que je disais, ça lui aussi. Si mon prof de menu gris. Monsieur Boudin, un petit clin d'œil à vous, il va faire ça et dira alors, mes cours lui ont servi. Dans le bon sens. Bon, autre qu'une scie, c'est plus facile à manier qu'un couteau. Ouh, j'ai failli déraper et me couper un doigt. Ouais, bah, moi, c'est à vous, parce que tu vois, c'est bien. Il y a personne en bas. Hein? Ah, j'ai dit, plus de force dans le bras. Non, ça c'est une très mauvaise idée. J'ai aussi la queue sur le couteau qui lui apprend. Ah, j'ai mal au bras.
Fais attention. Oui. Bah, retire ton bras alors. Ah bah, je l'ai retiré. Enfin, retirer mon bras, je ne saurais pas. Hein. Ah. On voit que c'est presque à moi. Hein. Tu aurais dû le réhydrater. Non, on ne peut pas l'hydrater tout entier. Non, mais le côté que tu voulais. Bah, ça sera mieux, je vais faire un ça, nettoyer plus personne, ça. Fais attention, je sais, parce que tu fais tout le tour, hein, comme ça. On est dans un mini atelier de jardinage, de menuiserie et un peu de cuisine. Oh putain! Bah ouais, ça y est. Bon appétit. Bon, je vais essayer le petit morceau parce qu'à mon avis, avec le petit jour rincé, ça fait 10 litres. On verra s'il n'y a pas assez. On rajoute. Alors, regardez-moi ça comme ça, ça. C'est très salissant. Donc maintenant, il faut que j'aille chercher de l'eau tiède. Combien il faut mettre, si je vous dis, oui pour le truc entier, 3,5, donc je pense qu'avec ça, écoutez, moi je vais toujours mettre ça, et on verra, donc, j'ai mis ça, on va le laisser, on va le laisser tranquille pendant un quart d'heure qu'ils disent. Donc il est 10 heures, je vous reprends. Mais quand il est prêt, à tout à l'heure. Voilà, là c'est en train de... J'ai rajouté beaucoup d'eau et ça c'est en train de... Je perds encore mes mots. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça se défait tout doucement. Donc là, j'attends un petit peu. Oui, je vous ai repris. En attendant, parce que je ne sais pas si je vous ai aidé, vous avez été plusieurs heures... à me dire que vous préférez les blocs à la semaine. Donc, pour ma part, aujourd'hui, on est le vendredi 2 février. Donc, je fais de vendredi ici au vendredi prochain. Alors, il n'aura que, s'il y a de retour de course, s'il y a des houles, ça je vous fais à part. Voilà, je préfère dans les vlogs le blabla, la motivation ménage. Voilà, plein de choses, on va voir.
Je suis en train de travailler un peu sur des faire des recherches, essayer des astuces pour voir et si ça fonctionne correctement. Mais je vous montrerai. Je vous montrerai aussi quand j'aurai décoré. Alors hier j'étais dégoûtée. Je vais vous montrer. Alors je vous ai pas filmé parce que franchement il y avait que ça. Donc je vous voyais pas faire un haul pour une chose. Je vais leur envoyer les images parce que donc j'ai commandé sur Temu un lot de trois miroirs en forme de trèfle à quatre feuilles et ils sont tous, mais quand je vous dis tous sans exception, cassés. Ils sont tous arrivés cassés. Alors je vais vous montrer le premier. Alors il y en a deux que je sais sortir du paquet, mais le troisième c'est impossible. Regardez. Vous voyez comme c'est fendu? Ça, c'est le premier. Ah, je suis dégoûté. Parce qu'en plus, je savais déjà comment j'allais les mettre et tout. Ça, c'est le premier. Ah, ben celui-là, je ne sais pas le sortir parce que il tombe en morceaux. Donc vous avez tous les morceaux qui se baladent. Et celui-ci, le troisième, pareil que le premier. Voilà, dans les cas, l'état où j'ai reçu. Alors c'est pas Temu, hein. C'est sûrement c'est venu par GLS, je pense. Ou colis privé, je ne sais plus. Mais en tout cas, Sainte Céru. Et comme on le sait tous, quand ils livrent et qu'ils reçoivent les paquets, ils n'ont pas la douceur appropriée. J'ai déjà vu des reportages où ils lancent carrément le colis comme ça dans le camion. Voilà quoi. En attendant, moi, c'est des miroirs que j'ai payé les 3 pour 18 euros. Donc, c'est pas comme si j'avais payé 5 euros, quoi. Donc, je vais leur envoyer les photos parce que ou ils m'en renvoient ou ils me remboursent, j'en sais rien, mais il faut qu'ils trouvent une solution. Alors, ça aurait été 5 euros, je m'en aurais foutu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, c'est pas 5 euros, quoi. Bon, bah écoutez, je vais vous mettre sur pause. Oui, j'ai reçu ça, mon nouveau tapis. Mais le tapis, je vais pas le mettre maintenant parce que j'ai mon petit-fils Ethan pour le week-end. Et comme je sais qu'il va jouer sur le tapis et tout, je le changerai plutôt lundi quand lui retourne dimanche soir. Donc, le lundi, quand je ferai le ménage, je mettrai le nouveau. Vous allez voir, c'est totalement différent de celui qui est là, qui a. J'en ai deux des mêmes que vous avez vus. Enfin, j'ai un qui tire plutôt sur le bleu et gris foncé. Et celui-ci, c'est le gris et noir, si je ne me dis pas de bêtises. Et celui que j'ai commandé, c'est celui que j'ai là. Le nouveau, c'est blanc, c'est pas long poil, blanc, gris noir, je pense. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus. Je ne vois pas assez à travers le paquet, mais vous verrez. Voilà, bah écoutez, je vais vous remettre sur pause et je vous reprends dès que. Je vais dire le ciment, n'importe quoi, que le terreau est prêt. Voilà, tout à l'heure, bisous. Voilà, ça a très bien gonflé. Heureusement que j'ai pas mis plus. C'est quoi un peu dur? J'ai pris une cuillère qu'on ne se sert pas. Oh mince.
Oui, j'y mets tout juste. Hein. Récupérer ça. Hein. Voilà. Heureusement que j'ai pas fini. Alors. Ouais, voilà. Ça coule. Alors, moi j'y connais rien, donc je vous demanderai de ne pas me juger. Hein. Je vais laisser la terre qui est avec parce qu'il y a des. Je me demande si j'ai pas mis trop de terreau quand même. Hein. Oh mince. On va essayer de le remettre comme ça. Bon sang. On verra si elle fait des racines. J'ai l'impression que c'est pire que mieux. J'ai pas la main verte. Alors là, pas du tout. Elle va être en train de tomber dans tous les sens. Allez. Quelle horreur, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai fait pire que mieux. Oh, tout cassé. Non, en fait, elle se casse toute seule, quoi. Tout vient. Ça prendra jamais. Hein. Écoutez, qui ne tente rien à rien. Hein. On le sait tous, ce proverbe-là. Je sais quand je peux. Les racines, il y en a. Ouais, ça c'est une racine, mais je ne sais pas ce qu'elle fait à l'envers. Quelle catastrophe. Quelle catastrophe. On verra. Elle va se casser là. Il y a des racines. Écoutez. Vous allez sûrement rire de moi. Il y a que celui qui fait rien qui ne se trompe pas. N'est-ce pas?
suis loin d'être une jardinière. J'ai jamais fait ça. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de m'en sauver. Maintenant, si je fais pire que... Alors, je mets rien mieux, puisqu'il y a le gros truc avec... avec la... avec toutes les racines. Je fais peut-être pire que mieux, mais on verra. Pas ma table dans quel état elle est. Allez, autre racine. Donc je préfère les remettre. On verra. Il y a même des racines qui remontent. En tout cas, les racines ont de quoi s'évoluer dans... dans toutes les... dans la grandeur du pot. Je vais aller rechercher un peu d'eau. Oups, j'en ai mis trop, je crois. Voilà. Et je vais la laisser tranquille, on verra bien par la suite ce que ça donnera. Je vais la remettre pièce en pièce. Voilà. Bon, maintenant, attendez, je vais vous redresser. Alors, ce que je vais faire, c'est nettoyer la catastrophe. Et ben, je vais moins nettoyer, mais je vais pas vous prendre ce que vous avez vu il y a pas longtemps. Je vous reprendrai, je sais pas, on verra. Comme ça j'ai pas d'idée, mais en tout cas voilà, il y a déjà ça, c'est déjà bien. De toute façon, j'ai toute la semaine pour vous filmer, donc voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard, je vous fais tous ces gros bisous. Coucou, enfin, coucou, bon, coucou à tous. Bon, écoutez, je suis là parce que je vais probablement rester un bon bout de temps sans filmer. Voilà, le moral n'est pas là. Voilà, il se passe des choses dans la vie de tout le monde que des fois tout le monde... Je suis pas là pour me plaindre, je suis juste là pour vous dire que tout le monde a ses problèmes. Là, en ce moment, moi, j'ai pas le moral. Et donc, filmer en n'ayant pas le moral, c'est juste pas possible.
Donc j'espère que vous comprendrez. Qu'il n'y aura pas de vidéo pour le moment. Alors je ne sais pas pendant combien de temps ça va durer. Pourtant, j'avais prévu plein de choses, mais dans les temps où je suis là pour le moment, c'est juste pas possible. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, surtout si vous ne me voyez pas pendant un petit temps. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Une semaine, 10 jours, 2 semaines, je ne sais pas. J'avais commencé à filmer. Je vous mettrai peut-être en début. Ouais, je vais vous mettre en début. Et puis je vous mettrai ceci à la fin. Comme ça, vous comprendrez. Il n'y a pas grand chose au début. Alors, ma plante, je crois que je vais retirer les feuilles qui se sont cassées et laisser juste la boule avec les racines, voir si elle va reprendre ou pas. Voilà. Oui, je vous filme des toilettes. Alors, pour être tranquille. Voilà. Donc voilà, bah écoutez. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. À part vous dire à bientôt, j'espère. Bah écoutez, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis, je ne sais pas quand, dans combien de temps, mais je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous, bisous.